Nous allons maintenant donner la parole à Marie-Josée Le Tailleur, qui va donc vous expliquer comment la vie d'un quartier paisible peut être transformée par l'installation de salafistes. Avant de lui donner la parole, je voulais particulièrement la remercier, puisque Marie-Josée est responsable d'une association laïque que je ne citerai pas, mais était présidente d'une association laïque. Elle a subi des intimidations, des insultes et des calomnies incroyables de la part de disciples de Besancenot ou de Mélenchon pour qu'elle ne vienne pas participer à ces assises internationales sur l'islamisation. Marie-Josée n'étant pas le genre de femme à se laisser intimider par ce genre de petits flics de la pensée politiquement correcte, a remis ses mandats sur la table et a préféré venir vous raconter son témoignage ici, et on la remercie. C'est peut-être un peu haut pour moi. Je vais baisser encore un petit peu. Bonjour à tous. Je ne me ferai pas intimider par des islamo-gauchistes, mais je suis un peu intimidée par vous ce matin. Donc, excusez-moi si je bafouille. Je vis en banlieue parisienne, dans une ville méconnue des médias. Mon quartier est un ensemble composé de personnes d'origines variées, de confessions différentes. Tous les âges y sont représentés, des retraités aux enfants, en passant par les actifs. Le quartier est piétonnier, il y a une place avec quelques commerces. En 2007, notre lieu de vie a été bouleversé par l'implantation d'une mosquée clandestine. En novembre 2006, un local à but commercial ou professionnel situé en pied d'immeuble fut acquis par une société civile immobilière. Les représentants de cette SCI furent reçus en mairie et déclarèrent vouloir faire des bureaux dans ces locaux. Après 3 mois de travaux, en février 2007, un vendredi après-midi à l'heure de la grande prière, nous vîmes arriver des hommes barbus et des femmes en burqa venus de toute la région parisienne. Ils étaient environ 400. Le local était devenu en fait une mosquée clandestine. Le week-end, la mosquée faisait l'école coranique pour les enfants, vêtus de camises pour les garçons et de voiles pour les fillettes. Les habitants du quartier avaient l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Les premières réactions après l'étonnement furent d'interpeller la mairie, le député et le préfet. Nos voisins barbus, comme nous les appelions, commencèrent un travail de sape auprès des commerçants en leur rendant de nombreuses visites et en leur proposant de racheter leur boutique. Ils abordaient les jeunes filles d'origine maghrébine en leur demandant pourquoi elles n'étaient pas voilées. Ils accostaient les jeunes gens en leur proposant de venir à la mosquée pour boire du thé. Ils donnaient des bandes dessinées aux enfants. En fait, une vraie démarche de prosélytisme était en train de se mettre en place. Les musulmans du quartier étaient interpellés par les barbus qui leur reprochaient de ne pas venir à la mosquée. Petit à petit, le quartier était quadrillé de barbus et les habitants restaient chez eux au lieu de sortir comme auparavant. La place devenait déserte. De ma terrasse, on pouvait entendre les prêches et les prières. Un de mes voisins a persuadé Mohamed Sifaoui de venir. Il a confirmé que c'était des salafistes à qui nous avions affaire. Ce journaliste a écrit un article paru dans Marianne en mars 2007 sur notre mosquée. Il nous a conseillé de nous regrouper en collectif et nous a donné les coordonnées d'une association laïque. Nous avons rencontré Jean-François Chalot, le représentant départemental. Il est venu dans notre quartier et s'est rendu compte rapidement de ce que nous vivions. Il a écrit au préfet et nous avons remarqué à ce moment-là que le préfet répondait toujours en personne, avec diligence et sérieux, au courrier d'une association, alors que les réponses aux particuliers attendaient plusieurs semaines et restaient très laconiques. Voyant cela, nous avons donc créé simultanément un collectif des habitants et une antenne locale de cette association. Ce collectif comprenait des personnes de toute opinion politique. Il n'y avait ni gauche ni droite. Nous formions simplement un front républicain
déterminés à résister à l'avancée de l'islam conquérant. Merci. Un des moyens de fédérer l'ensemble des habitants fut l'usage d'Internet. La mosquée était ouverte de 5h à 23h chaque jour. Les retraités qui subissaient à chaque moment de la journée les allées et venues incessantes des barbus nous transmettaient ce qu'ils voyaient. Ainsi, les personnes qui étaient au travail étaient au courant du moindre incident, comme des enfants qui sortaient en pleurant de la mosquée, des tentatives d'intimidation auprès des collégiens qui parlaient trop fort. Je fis aussi de nombreuses recherches sur Internet et par hasard, je découvris que l'imam de notre mosquée avait été expulsé du Maroc. Nous transmettions régulièrement via un courriel électronique ce genre d'informations auprès du maire, du député et du préfet. Quelques actions furent menées par le comité de quartier. Deux fêtes furent organisées juste devant la mosquée. Lors de l'une d'elles, une pièce de théâtre eut lieu. Le thème était la parodie d'un mariage arrangé. Un des comédiens portait une croix de taille remarquable et hurlait « Alléluia » sans arrêt. Évidemment, nos voisins barbus regardèrent cela d'un mauvais œil. Lors de la seconde fête, un stand de tir à la carabine fut installé contre la mosquée. Cela ne s'est pas renouvelé depuis. Tous les vendredis après-midi, une habitante excédée se mettait au balcon et criait « Allah, Allah, à la soupe !» En fait, chacun essayait de faire quelque chose. Un sentiment de ras-le-bol était omniprésent et en plus de nos barbus, les renseignements généraux craignant tout débordement étaient chaque jour présents dans le quartier. Nous avons organisé des pots républicains, des apéros saucissons pinards avant l'heure, où nous invitions à chaque fois le maire PC, le député UMP, car nous étions en pleine campagne électorale et nous voulions absolument nous faire entendre. Lors de ces rencontres, dont j'étais l'animatrice, je mettais en avant la nécessité de faire un front républicain au-delà de nos différences politiques. Le député UMP Chantal Brunel et le maire PC Maud Tallet furent ouvertement malmenés par leurs propres électeurs. À Champs-sur-Marne, les discours toujours politiquement corrects ne passaient plus. Les habitants prenaient la parole et leur demandaient d'agir en politique responsable. Ils leur disaient de ne pas laisser tomber le quartier aux mains des islamistes. Nous ne voulions pas vivre ce que vivent les gens de Trappes ou d'ailleurs, où nous voyons l'abandon complet de la population et l'implantation irrémédiable des islamistes. C'est en septembre 2007 que j'ai rencontré Pierre Cassin. Nous l'avions invité à l'un de nos pots républicains et il a vu de ses yeux la mobilisation incroyable de ce quartier. À la suite de sa venue, il m'a proposé de faire un article dans Riposte Laïque pour faire connaître notre combat à un plus grand nombre de personnes. Cela nous fut fort utile car le son de nos voix en colère résonnait beaucoup plus fort et notre combat devint plus gênant pour les autorités publiques. En décembre 2007, nous avions prévu un pot qui tombait juste après le discours du latran de Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle que c'est lors de ce discours que le président a osé remettre en cause l'instituteur et ajouter que les Français étaient en attente de spiritualité, de valeur et d'espérance. Il est sorti de son rôle de neutralité que lui confère la Constitution pour aborder le problème de la spiritualité. Nous l'avons vu par la suite se rendre en Arabie Saoudite, un des pays arabes les plus conservateurs et les plus stricts sur le plan religieux, pour se poser un ardent défenseur des religions, et tout dernièrement, il est allé voir le pape. Je rappelais aux députés, lors de notre pot, que s'en prendre à la laïcité, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, c'est s'en prendre aux fondements de notre République. Détourner la loi de 1905 en aidant la construction de lieux de prière est un délit. Nous voyons trop de mairies aider les musulmans à acquérir des terrains à des prix dérisoires pour y bâtir des mosquées, et tout cela au nom de la tolérance,
projet de mosquée à Marseille, Bordeaux, Toulouse. Que dire d'un Premier ministre qui inaugure une mosquée en posant sur une photographie au prix d'une fillette visiblement nubile mais voilée à Argenteuil le 28 juin 2010. Delil Boubekeur a déclaré à cette occasion qu'il fallait doubler le nombre de mosquées en France, passer d'environ 2000 à 4000. Voilà, le projet est clair. Installer un maximum de mosquées pour contrôler et manipuler un maximum de personnes. Souvent, au sein des mosquées, sont installées des écoles coraniques. Récemment, une enquête de la BBC en Angleterre a révélé que l'on apprend aux élèves à pratiquer les châtiments corporels prônés par la charia et que les juifs fomentent une conspiration pour diriger le monde. Tel est le genre d'enseignement prodigué par certains imams. Sur les 2000 mosquées dénombrées en France, beaucoup d'entre elles sont contrôlées par l'UOIF, l'Union des organisations islamistes de France, dont l'une des figures de proue est le fumeux et médiatique Tariq Ramadan. L'UOIF est bien connue pour ses prises de position extrêmes. Messieurs les politiques, continuez à faire le lit des islamistes et ne vous étonnez pas des réactions épidermiques des citoyens non musulmans. En Suisse, en novembre 2009, le vote contre la construction de minarets a provoqué un tsunami dans l'élite politique. Ce fut un haro sur les Suisses. Un tel référendum aurait eu lieu en France. Pensez-vous que le résultat eût été différent? Les politiques français ne sont pas prêts à refaire un référendum, car la dernière fois, en 2005, référendum pour la Constitution européenne, la réponse non n'était pas celle escomptée. D'ailleurs, en 2008, les parlementaires ont validé le traité de Lisbonne, qui en fait reprenait les points essentiels de la Constitution européenne en faisant fi du résultat du référendum. Nous ne serons pas consultés par voie de référendaire de sitôt et l'on ose parler de démocratie. Revenons à l'attitude des politiques vis-à-vis de la construction des mosquées. La tolérance à bon dos. C'est bien pour des questions électoralistes que ces maires agissent ainsi. Les élus de gauche et de droite ne savent pas être fermes vis-à-vis des propositions d'associations culturelles ou cultuelles qui se manifestent de plus en plus visiblement. Aujourd'hui, à Paris, la circulation est coupée le vendredi après-midi dans certaines rues et des musulmans manipulés par des islamistes viennent faire la prière sur le trottoir. Enfin, actuellement, les rigueurs de l'hiver doivent refroidir les genoux et les ardeurs de ces prieurs. Coup de théâtre, cette semaine. Après la dénonciation de ces prières dans la rue par Marine Le Pen, le PS... L'EPS reconnaît par la voix de Benoît Hamon que ces prières sont inacceptables, alors qu'elles perdurent depuis longtemps dans un arrondissement dirigé par un maire PS. Benoît Hamon. Le politique n'a pas à se mêler du religieux et doit intervenir lorsqu'il y a manifestement un trouble à l'ordre public. Le politique a une arme redoutable entre ses mains, mais n'ose pas ou ne veut pas l'appliquer. Cette arme est la loi de 1905, qui, je le rappelle, est la loi de séparation des églises et de l'État. Pour une fois, pas de nouvelle loi à faire, il suffirait simplement de l'appliquer. Il paraît que nous sommes égaux devant la loi, mais visiblement, nos élus font des accommodements particuliers, surtout avec cette loi, et tout cela pour garder leur poste. Revenons à mon expérience. Grâce au collectif des habitants et à l'antenne locale de notre association laïque, nous fûmes reçus à la mairie, puis à la sous-préfecture et en dernier lieu à la préfecture. Après un an de lutte acharnée, en février 2008, les propriétaires de la mosquée ont vendu ses locaux
sous la pression des pouvoirs publics. Nous avons organisé un immense pot où chacun a pu se dire que grâce à la mobilisation de citoyens lambda, nous avons repris possession de notre lieu de vie. Nous savons bien que nous n'avons pas résolu ce problème, mais juste déplacé. Cela veut bien dire que rien n'est perdu face aux islamistes. Il suffit de s'organiser, de ne pas céder aux tentatives d'intimidation, de ne jamais perdre confiance et de surmonter les périodes de doute. Parfois, on peut avoir l'impression d'être un tout petit David face à un Goliath démesuré. À Champs-sur-Marne, nous avons l'impression d'avoir mené un combat exemplaire et nous sommes tous très fiers de notre victoire. Deux dernières phrases. Nous avons la chance en France d'être dans un pays laïque et nous nous battrons de toutes nos forces pour le préserver de toute dérive communautariste. Comme disait Henri Peña-Ruiz en 2004, la laïcité n'est pas un particularisme accidentel de l'histoire de France, elle constitue une conquête à préserver et à promouvoir de portée universelle. Merci.